J'ai dû le mettre à un HP, il est seulement mort, c'est clair. J'ai toujours pas de pompe, c'est un pire ça. C'était lui, je crois que j'ai envie de le HP. Peut-être qu'il avait un pompe lui quand même. Il avait plein de munitions lui. Il avait plein de munitions, c'est cool. Vraiment famous. Ok, let's go. Il y a quoi là-haut? Alors...
été fait, j'ai l'impression d'un petit test quasi. Ça tire mais je sais pas trop. Ok, c'est par là, apparemment, ouais, il y a les squads ici. On va essayer de prendre la hauteur si je peux avoir un visu sur le dessus pour mettre KO en Amérique. C'est pas mal. Je crois que les mecs sont plus loin. Ça fight dans le garage, quoi. Il y en a un à l'OHP, j'ai mis un casque, je l'avais fait sniper. Aussi longtemps. J'espère qu'il va pas se faire raid, ça me fait chier quand même. Je pense que je vais rusher juste pour ça en fait. Je vais faire sniper. Ah, il a le temps de le raid. C'est un sniper là. Ouais, frère, y'a combien de gens? J'ai mis 2 KO. Pour achever tout ça, ça va être compliqué. Hein. Il arrive à me toucher à travers les murs, le cousin. Ok, il y en a maintenant. C'est un seul. Pas de piège. Il y a peut-être un distribu, non il n'y a pas de distribu quoi apparemment. Ok. Il y avait des mecs qui me snipaient de je sais pas d'où, faut que je fasse gaffe à eux parce qu'à mon avis c'est les prochains qui vont aller. Pour l'instant il est dans la zone, il n'y a pas de problème. On est encore dans la zone hein, mine de rien. Là ce qu'il nous faudrait c'est un peu de heal. Bah j'ai des bandages donc je peux remonter à 75 mais... Derrière il nous faudrait peut-être un feu de camp ou je sais pas, ouais. Je sais pas si tous les bâtiments ont été faits en vrai. Des fois il y a un coffre qui est là-dedans. Faut que j'ouvre les yeux aussi aux ennemis. Parce que vu que je suis dans la zone, c'est possible que ça arrive. Après je suis plutôt... Les mecs font plutôt arriver de l'est hein, logiquement. Donc limite par là ça doit être assez clair, faut que je fasse gaffe au piège. Ce serait con de perdre du shield sur un piège alors que j'ai pas beaucoup de shield sur moi. Il y a 11 mecs qui sont morts d'un coup, hein. Il y en a plus que 19 alors qu'il y a la dernière fois que j'ai regardé on était encore 30. Ah bah tiens, parfait ça, cool. 3 mini shields qui peuvent être sympas pour la suite de la game. Bah je sais qu'il y a un distributeur des fois par là. Enfin il est dans le shop mais j'ai juste checké un coup avant s'il n'y a pas un coffre dans le camion. Non il y est pas, je l'aurais entendu. Alors du coup je vais checker s'il n'y a pas un distrib ici qui donne du shield 50, apparemment pas, peut-être un breuvage. Non, dommage. Après, le sniper, 400 bois. Non, c'est trop. J'ai pas assez de construit pour utiliser 400 bois là-dedans. Même si un peu fort, on va faire du bien, je sais pas. Si j'avais 1000 de bois, je pense que j'aurais pris là, avec 600, si je commence à niquer des 400 bois là-dedans, c'est un peu la merde. En vrai, ce bâtiment, je sais pas s'il a été fait entièrement. Je peux peut-être checker et trouver un coffre. Ouais, je crois qu'il y a un coffre là. Il reste 19 mecs. J'ai encore un slot dans mon inventaire mine de rien. Parce que bon, je crois que j'ai un peu de cette bombe au dos mais... Bon c'est le moment un peu boring de la game. De toute façon il n'y a personne qui se fight hein. Depuis tout à l'heure il reste 19 mecs. On est passé de 30 à 19 d'un coup. Je pense qu'il y aura un gros fight à un endroit de la map.
Et là, ça fait un petit moment que ça n'a pas bougé. J'avoue que j'ai un peu peur, j'ai pas envie de me prendre une balle dans le dos ou quoi. Ah, il y a un coffre par là. Je suis très prudent, je vais vraiment essayer de piéger ou quoi. J'ai pas envie de perdre des HP bêtement alors que j'en ai pas des masses. Là, ça c'est plutôt un très bon coffre, parce que ça me file une AWAP que j'ai vraiment besoin. Et ça me file aussi un shield 50. Ok. Bah on va tout très clairement jouer la prochaine zone. On est en solo squad, hein, je le rappelle, il y en a qui n'avaient pas pigé. C'est pour ça que c'est un peu tendu les fêtes. Hein. Je sais pas si ça a été fait les L. Je pense que ça a été fait, il y a pas mal de construit. Tempête, y'a un mec KO des gens. Des gens qui doivent être dans le mal dans la tempête apparemment. Ouais, y'a pas mal de kills d'un coup. Bizarre, je pensais qu'il y avait plus de gens à tilted. Ah, y'a un mec devant là-bas. Non, malheureusement il va être passé derrière l'arbre, je pourrais pas le shooter. C'est vieux ces consoles ou quoi? Je vais casser un arbre. Pas passé loin cette histoire. Justement, c'est les consoles qui sont derrière qui me font flipper. Les mecs ont dû me rush tout à l'heure. Ok, on va clairement bouger dans la prochaine zone. Le mec est toujours là-bas. C'est un peu loin quand même. Ouah, la zone elle est en plein sur la hauteur du milieu. Là, elle est assez chiante cette hauteur. S'il y a des mecs au-dessus, c'est très dur d'aller les déloger. C'est vrai que c'est pas la meilleure zone. On peut espérer mieux, j'avoue. Après, on est toujours en vie. On a du chien. On peut pas trop se plaindre. Hein. La zone n'est pas si loin que ça. Faut juste faire gaffe aux mecs qui vont être en hauteur. Quoi. Ça va être. Je pense que si je vais essayer de gratter la victoire dans ce game, faut que je m'incruse dans le dernier fight. Hein. Parce que là, si je prends une équipe tout seul de mon côté, ça serait. Enfin, sauf s'ils sont que 2 ou 3, tu vois. Mais une équipe de 4 qui s'est jouée tout seul de mon côté, je pourrais pas la tenter sur une hauteur. Quoi, ça. Enfin, je pense pas. On verra, on sait jamais. Hein. C'est peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas forcément que des monstres dans le lobby aussi. Est-ce que 12 mecs hein. Le bail c'est que j'étais un peu obligé d'aller monter là-haut. Hein. Si je monte là-haut, c'est-à-dire que je me fight. Hein, parce qu'il y a forcément des mecs là-haut, je vais en tirer justement. Et bah allez, on va. Ah c'est cool là. C'est ceux qui tirent là-dedans. Hein. Un gars pour pas des mecs derrière non plus. Ils ont des snipes, hein. Putain, ça tire. Hein. Putain, ça va être compliqué. Hein. Moi, je les tente ou quoi, les gars? Je suis repéré. On va signer l'alerte à tout le monde. On fait même sniper. Trampoline pour faire le taf. Juste faire gaffe, hein. Je crois qu'ils étaient 3, moi ils devaient être que 2 apparemment.
très bon auteur là. Il y a des ennemis. Oula, il y a des ennemis que là-bas. Merde, j'ai pas tiré, c'est pas grave. Alors j'ai pas la zone. La zone est là en plein milieu du dépôt. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Là-bas je crois que ça se fight en vrai. Oula, oh, putain. Oh il a l'œil le mec. Oh. Il a une très bonne visue parce que là il a dû voir qu'il y a un mec ouvre un colis là-bas. On va juste essayer de le choper. Dommage, raté. My bad, j'ai mal tiré. Raté aussi. Donc il y a une team qui est dans le dépôt, t'as une squad là-bas. Faut être... De toute façon, c'est clairement que j'attends que les deux teams se fassent. Ok, les mecs qui prennent leur jump, ils vont, ils vont pas sur moi, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils aillent sur moi, ce serait pas logique. Donc là, c'est... Ah, il y en a un qui est late. Je vais choper à temps. Donc il y en a au moins 3 là-bas. Si ce n'est plus. Là-bas ils vont se fighter, hein. Ils vont clairement se fighter parce qu'il y a deux teams, je les ai vus. Voilà, ça se retombe dessus. En vrai, il serait peut-être temps que j'y aille aussi, moi. Je la touche pas, là. Hein. Putain, dommage, je pense qu'elle a été KO juste avant. On va y aller, les gars. C'est pas ça que je voulais faire. Tout ça. Ah, j'ai plus de construction. Oh ouais, j'ai un peu d'y aller, en fait. Deux teams hein. Ah, je sais pas là les gars, j'ai un peu peur que ça me fasse tomber, je serais vraiment le seum. Crever sur une chute, ce sera pas très beau jeu franchement, alors qu'on est encore full HP. Mais là je pense pas que je peux vraiment tomber très très haut. J'arrive pas trop à voir où ils sont partis ces connards, mais je pense qu'il y a... je suis même pas... Je pense pas que je sois contre une seule team là, mais il y a plusieurs ennemis hein. Enfin, plusieurs squads différentes. Donc s'ils pouvaient se refight entre eux, c'est pas mal. J'arrive juste pas à voir où ils sont partis, c'est bon. Les 4 mecs. Ah ouais, je sais pas où ils sont allés. Hein. Bon, en tout cas, on est un peu dans la zone. Donc là-dessus, y'a pas de problème. Ah putain, y'a du loot qui est parti dans la zone, j'aurais pu le prendre. Ah ouais, la zone est loin. Enfin, loin. C'est pas loin, mais vu que la zone est petite, si je bouge là-bas, ça peut me coûter cher. C'est bizarre, il n'y a plus personne qui tire là. Alors qu'il y a encore 3 gars, mais je pense pas qu'ils sont ensemble en plus. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est caché dans son truc un peu comme moi. Et tout le monde attend que bah ça bouge. Ah, il y a un gars là. Touché. Donc il y a un mec sous moi, c'est info sûre parce qu'il tuerait sur dessus là. Il y a un mec qui est dessous, il y a un mec là-bas. Oula. Il y a un mec qui est dedans. Soit il reprend la hauteur, soit il essaie de me faire tomber, je sais pas. Un des deux. C'est bourbier là, j'ai pas envie que ça se la gueule ce truc là. Aïe, oula oula, il est au-dessus, oh fait chier ça. La tête va rien. Il a pas l'air mauvaise bataille, t'es même. Il a un chien en dégâts. Donc on est en 1v1 v2, ok, il y a la zone, oh yo yo, la zone elle va piquer, oh là là, pas de crampons, pas de crampons, il y a la zone et tout. Là je prends juste déconstruire, la zone elle va monstruer, faut pas que je construise, ouais, c'est pas mal ça. Donc il y a les moins 1, ok, donc 1v2 je pense. Allez, faut que j'aille dans la zone très vite.
C'est du 1v2 là, je pense, je suis quasi sûr. Alors 1v1. Ok, je pensais qu'il était ensemble. Apparemment les mecs... Oula. Merde, il est en haut encore, le last il est en haut comme une pute. Oh ya ya. Ça c'est pas beau jeu ça. Ça c'est pas beau jeu du tout ça. Là il faut que je mette un coup de snipe pour rien. Faut que je construise un max, sinon il va me mettre une balle. J'ai pas envie de perdre ce game. J'ai plutôt bien géré, je lui mets un coup de snipe et c'est bon. C'est le mec de tout à l'heure, je l'avais hit. Ça va être compliqué cette histoire. En vrai, j'ai pas un feu de camp, non, j'ai pas de feu de camp. J'ai pas mal de construit. Il faudrait que je trouve une pierre qui fait monter. Hein. Et limite, je le rush en construit, mais ça va être compliqué. Hein. Parce que là, là j'ai pas la zone. Ah, si, j'ai dans la zone, ouais. C'est lui qui pique. Mais attends, mais c'est le mec, ça? C'est lui, ça peut pas. Je vois un machin, mais j'arrive même pas à voir si c'est lui. On dirait un arbre. Ah, mais non, c'est Mexico, c'est pas lui ça. Vas-y, pique encore comme ça, frérot, pique. Il veut me faire tomber, son culos. Ah, il pique au snipe aussi, ce bâtard. Il y a la zone, mais je suis dedans, ouais, je suis dans la zone. Je sais même pas si. Non, il est pas dans la zone. Il joue à quoi, voilà, me faire tomber. Et là devoir avancer, hein, il est pas dans la zone. Il est tombé, j'avais pas vu. Ok, il essaie de prendre la hauteur. Le chat a pas loupé. Oh, let's go. Ben voilà, ça passe cette solo squad. 12 kills, c'est pas énorme, mais disons que au moins on gagne la game quoi. Parce que en solo squad, c'est pas facile quoi, il faut le noter. On a quand même mis 3000 dégâts, c'est pas mal hein, parce que franchement 12 kills, tu peux faire beaucoup moins de dégâts pour d'avoir 3000 dégâts, 12 kills, c'est pas non plus. Disons qu'avec 3000 dégâts, en général, tu peux faire facilement 15 kills, je pense. Ça passe. Putain, c'était tendu, c'était une belle game. Et les mecs en face de moi, c'était pas des noobs parce que voilà, des fois je vois des views des youtubeurs, je vois des vidéos ou des streams des mecs, ils arrivent à faire beaucoup de kills, mais en général, t'as la moitié que c'est des grosses merdes. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir croisé de vraiment de merde là dans ce game. Hein. Ce qui est prompt là, il y a un truc où j'ai eu de la chance, on va dire, c'est que j'ai pas croisé de full squad vraiment. En général, les mecs étaient split, c'est-à-dire qu'il restait que un ou deux ou voire trois mecs en vie dans leur équipe et pas quatre, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence que quand tu croises une team de quatre, en général, tu peux pas vraiment gagner. Let's go les gars, c'est cool, ça va être une belle game.